Avec cette vidéo, tu vas essayer d'écrire un mot que je vais te donner. Tu as besoin d'une ardoise et d'un feutre pour ardoise ou d'une feuille et d'un crayon pour écrire. Tu vas prendre le temps de réfléchir au mot. Tu vas le répéter dans ta tête ou doucement. Le plus important est que tu fasses des essais. Si tu trouves une lettre, c'est déjà très bien. Niveau 3. Attention, pour faire le niveau 3, il faut avoir réussi le niveau 2 en ayant trouvé au moins deux lettres. Le mot du jour est robe. Je répète, robe. Tu vois, j'ai déjà mis un E à la fin, un E qu'on n'entend pas. Pour écrire robe, quelles sont les lettres dont j'ai besoin? Je réfléchis, je répète le mot robe. J'essaie de détacher tous les sons. Robe. Maintenant, tu appuies sur pause, le temps d'écrire ta proposition. Je vais donner des indices. Pour écrire robe, nous avons besoin de... Je n'ai pas mis les lettres dans l'ordre. Si tu avais trouvé toutes les lettres, alors c'est déjà très bien. Si tu avais trouvé toutes les lettres, bravo. Mais maintenant, est-ce que tu peux les remettre dans l'ordre pour écrire robe? Tu appuies sur pause. Attention, je vais maintenant donner la réponse. Pour écrire robe, j'ai d'abord besoin de la lettre R qui fait robe. Ensuite, la lettre O. Et enfin, la lettre B qui fait le son robe. Si tu avais trouvé deux lettres, bravo. Si tu avais trouvé toutes les lettres dans l'ordre, alors là, tu es un champion, bravo.